Hey, salut tout le monde, c'est Spectrolo, comment ça va? Moi je vais très bien, je suis vraiment très content de continuer sur les plays de Pokémon version Gem, épisode 12. Alors qu'est-ce qu'on a fait dans l'épisode précédent? On s'est rendu sur le scénario principal du jeu, donc on était au sous-sol de l'avant-ville. Afin d'exploser la Team Rocket, ensuite on a été au bateau de l'Acalia City, on a fait l'Acalia City, et on a fait l'arène d'Erika. Ensuite, on s'est rendu à la grotte pour capturer un fameux Pokémon qui n'est autre que Terral qui a évolué dans cet épisode. Donc je vous montrerai l'échange un petit peu plus tard. Donc je vais vous montrer, j'ai filmé Chrono, le Terral qui a évolué en mettant à tout de suite. Re tout le monde, donc comme vous avez pu le voir, vous avez vu l'évolution en direct. Donc mon équipe est un peu plus préparée, parce qu'après on va avoir vraiment du mal. Donc on a Florizarre niveau 42, Rosafir niveau 44, Nidorina niveau 35, Galagon niveau 33, Chrono niveau 33, donc Métang et Mystère de merde. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? On va aller à Parmanie. Allez, avant à Parmanie. Alors... Donc dans cet épisode on va essayer d'apprendre un Pokémon qui a surf surtout pour... Et je vais capturer beaucoup de Pokémon, donc ça sera peut-être un épisode hors sujet. Le temps de capturer 120 Pokémon, donc à mon avis je capturerai peut-être 50 Pokémon ou moins ou plus. Enfin je verrai si je peux capturer pas mal de Pokémon. Donc pour l'instant il faut que je me rende à Parmanie. Donc là il n'y a rien. Là il n'y a rien non plus. Ah, une Pokéball, on va y aller. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il trouve zinc, ok. Ça augmente la vitesse. Alors. Donc là, il faut surf. Alors, ici. C'est par ici. Je crois que c'est par ici. Non, c'est pas par ici. Ah, c'est un labyrinthe. Oh là là. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je ne sais pas. On va aller des herbes. On va voir qu'est-ce que c'est comme Pokémon. Un Goopix, bah écoute, on l'a pas, on va essayer de le capturer, on va l'endormir, si on y arrive. Bon, ouais, ça va. Ensuite, on va aller faire un autre, hein. Je suis une pigraine. Et bien sûr, on va essayer de le capturer. On a 28 Pokémon, donc on va essayer. Donc on a capturé un Goopix, donc il nous manque 49 Pokémon à capturer. Voilà, donc on se fera un petit épisode sur les captures des Pokémon et où se trouvent les Pokémon, donc voilà. Et on va se rendre aussi à Johto. Ouh, un Colossinge, normalement il évolue au niveau 28. Là il est niveau 19. Alors, un Pigren. On va essayer de le capturer. Bon, bah il veut pas qu'on le capture, hein. C'est dommage. Bon bah il veut vraiment pas, hein. On va y réessayer. 5 Pokéball à prendre. On a presque réussi. Ah, il se réveille. Oh là là, ça va m'énerver ça. Il n'arrive pas de capturer de Pokémon, ça va me saouler. Il nous faut 120 Pokémon pour avoir vol. Oh là là. On va essayer de l'endormir une dernière fois. Non! Oh, trop tard. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de faire le plein de Pokéball le plus possible. Super Ball, Hyper Ball. On verra ça. C'est pas par là. C'est par ici. Ouais, c'est par ici. Bah non, c'est pas par là. Un bien de merde. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Donc, on va aller par là. Donc là, il n'y a pas d'objet. Je les avais déjà récupérés. Et là, on se retrouve à Parmanie. Donc on va voir ce qu'on peut trouver. Il y a une Pokéball le plus loin. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ah ouais, Balombre. Ah, Balombre, ça va être très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Bonjour. Ma maman devrait bientôt rentrer. C'est bien. Cool ta vie, hein. C'est cool. En raison de la pression. Ouais. Safrania, donc on est à Safrania. Je crois qu'il y a un bug parce que Safrania,
Ça, c'est la ville de Parmanie. Ok. Donc là, on peut avoir des du Pokédex en plus. Donc noix de coco. Noix de coco, un sécateur. Et Vénard. Tauros. Même s'ils font pas ce bruit là. Métamorph. Scarabut. Donc ici, nous avons le parc safari. Donc le parc safari, il faut un Pokémon. Donc je vais vous expliquer le fonctionnement du parc safari. Alors. Donc là on peut avoir un Tortank en Pokédex, mais je crois qu'on l'a déjà. Donc là il y a l'arène. Parc safari est très populaire, waouh. Koga est revenu à l'arène, donc ça sera Koga, il faudra qu'on le trouve à Lacalia, il l'a dit. Lui il trône encore tes Pokémon, donc t'en as un à Argenta, t'en as un ici et t'en as un à Johto il me semble. Koga ouais, s'en fout. Ah y'a quoi? Oh y'a que dalle, waouh. Épisode palpitant. Alors. Mystère bon non. Excusez-moi. Ouais. On va le déplacer. Dans une autre boîte. Et ça, pareil, on va le déplacer. Ici. Voilà, on a un Pokémon et je crois. Et en plus c'est assez cher et on doit utiliser notre propre stock de Pokéball, Super Ball, Hyper Ball, Sombre Ball, Fleuble Ball, Mass Ball, tout ça. Donc c'est vraiment de la carotte le parc safari. Et en plus tu payes 1200, donc tu vois. Donc bonne journée, allez, on essaye de capturer des Pokémon. On va essayer de capturer pas mal de Pokémon, donc là on a un Scaragroot. On va essayer de lui faire une petite morsure. Ouais, un Darbenin. Ok, bah il s'enfuit, super. En plus, quand le Pokémon s'enfuit, on perd des points de dressage. Ça faut le savoir. Ok, là il y a un vampire, on va essayer de le capturer. À moins qu'il s'enfuit. Ok, bah il s'enfuit tous, c'est super. On a pas de chance. Et sachez que quand on tue un Pokémon, eh bien on gagne de l'XP. Idéal pour XP, un maximum, quand on est faible niveau ou un insinquiteur. On va faire mon super. Ah bah il s'enfuit, mais ils s'enfuient tous ou quoi? Ah ça va me saouler là. Hein. Alors. Encore un Fampi, on va essayer de le capturer direct sans l'attaquer. Pokéball. Et ben on a capturé Fampi. Et ben cool. On a capturé un Fampi niveau 14. Un éléphant qui ne sert à rien. Putain, il parle beaucoup. Mes parents parlent super fort. Oh là là. Ils vont entendre. Ils vont entendre mes parents. Il parle fort là. Attendez, je vais faire une petite ellipse. Donc là, on se retrouve. Excusez-moi, j'ai eu un petit contretemps. Donc là, on a déjà capturé ce Pokémon. Un excellent gars. On va essayer de le capturer. Eh ben non, on peut pas parce qu'il va s'enfuir. Par contre, je trouve que c'est mal foutu. Bah, le parc safari est mal foutu. T'attaques un Pokémon, soit t'arrives à le tuer, soit il s'enfuit. Ça sert à rien. Voilà, enfuis-toi, super, je perds des points. Voilà, comme ça, vous comprenez bien. Oh, mal. Vous comprenez bien le fonctionnement du parc safari. Eh ben non, il va s'enfuir, super. Pff, oh là là. C'est pas bon pour capturer, sérieux. Il y a encore un Rhinocorne, mais essayer de le capturer. Quoique niveau 19, j'essaie de le tuer. Ah mais arrêtez, ça sert à rien ce qu'ils ont fait là. Parc Safari ne sert à rien.
qu'il s'enfuit. Oh là là, ça. Ouais, en fait, on va même pas capturer de Pokémon. Je crois que je vais le capturer en hors champ. Le temps de capturer 120 Pokémon. Parce que là, s'ils s'enfuient tous, ça ne sert à rien. Perte de temps. Donc, on va se rendre à Johto. Oh, on a capturé un Rhinocorn. C'est déjà pas mal. Donc là, ah non, on n'a pas besoin, on fuit, on perd des points. Vas-y, on fait un pas, c'est vrai. Juste un pas. Un Karatroc, on va essayer de le capturer. Et il va s'enfuir. Eh ben non, il s'enfuit. Ah, punaise. Ah non, c'est Cutter qui va s'enfuir. Eh ben non, il s'enfuit. Hein. Eh ben non, on a vraiment pas de chance. Je vais faire une petite ellipse que, quand je vais sortir du parc safari. Run tout le monde. Alors, on va se rendre à Johto. Car on n'a pas grand chose à faire dans cet endroit pour le moment. Enfin, on a juste à faire un truc pour le moment parce qu'on n'a pas surf. Donc ça ne sert strictement à rien. On va se rendre à Johto. Direction Safrania. Ah là là, qu'est-ce que c'est chiant. Voilà, ça c'est fait. Donc comment j'ai pu XP mes Pokémon? Parce que j'ai fait le tournoi de la vraie vie, je suis arrivé en demi-finale, mais malheureusement, leurs Pokémon sont beaucoup trop puissants pour l'instant, donc je dois les XP normalement, dans les herbes, dans les combats, tout ça. Alors, Safrania. Oh mince. Qu'est-ce que c'est? Un mystère, on l'a déjà. Alors, Safrania. Donc, dans le prochain épisode, je crois que ça sera un épisode aussi hors sujet. Je capturerai tous les Pokémon que je vais croiser, donc il me faudra 120 Pokémon au total. Et après, on se fera les îles écume, donc le scénario principal du jeu. Alors, nous voici à Doublanville, la gare. Accès à la tour est désormais. On peut pas, là y'a rien. Malos! Alors, il y a rien. Ouais, pour l'instant, il n'y a rien de spécial à Doublanville. Parce que NGMK n'a pas tout fait encore sur Johto. Et Owen et Sinnoh pas encore. Donc le mec... Ah, ok, donc là, c'est une troisième personne qu'on peut renommer Nono. Ouais, on s'en fout. Excellent. Là, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Ok, c'est fermé. Donc on va monter un petit peu. Attends, on va descendre un peu pour voir. Là, il y a des dresseurs. Ah non, c'est pas une dresseuse. Alors, si je capture 50 Pokémon, je peux avoir... Je peux avoir Éclatroc. Ça peut être pas mal. Un petit combat contre moi. T'es imposé. Allez, c'est parti. Un simularbre. Vas-y. Ah, c'est pas terrible. Oh, le coup critique de Pokémon, j'aime. J'avais oublié ça. Bon, ça c'est fait. 452. Capoeira. Capoeira, on va prendre Galagon. Faire tête de fleur. Ah non, non, c'est pas. C'est pas bien ce que j'ai fait. Oh, quoi que. S'il me les tue, par contre, ça va me saouler. Eh ben, Néon, j'ai eu de la chance.
T'es fortiche, ouais. Je sais. Alors. Non, je voulais voir le dresseur là, mais. Ça m'a bloqué la route. T'as les Pokéballs, on va essayer de te capturer. On a capturé la boule de chewing-gum. Cool. Et oui, parce que rond de dos, ça ressemble à un chewing-gum pour moi. Allez, je vais tester mon niveau sur toi. Un Kikli. Je pense faire une morsure. Non, ça ne sert à rien. Ah si, il a pleuré, c'est déjà pas mal. On va faire double pied. Bon, ça va. Ça c'est fait. 503, ouais, c'est pas terrible. Hein. Pistopon. Ruse. Ah ouais, ça rigole pas. On va faire un choc mental. Pas mal, Chrono. 154, oh c'est que dalle. Tant pis. Donc on va prendre Chrono au cas où. Car Chrono ça pourrait être un atout de notre équipe si on a un Métallos. Je crois qu'il évolue niveau 45. Et hop, on va la suivre. Alors, oula, 4 Pokémon. Vas-y Chrono. Bien joué. 171, cube butoqué, ça va me faire mal ça. Est-ce qu'il y a des... J'ai pas de potion. J'ai une potion, ça me sert à rien. Aïe aïe aïe. Chier. Tant pis, on va prendre la potion. J'espère qu'il va pas nous tuer. Et je vais faire... une morsure. Ouah, j'ai eu de la chance. Ah, le prélèvement du destin. Qu'est-ce que j'aime pas cette attaque. Et voilà. Lurina va mourir. Ah non, même pas. C'est bizarre, ça n'a pas marché. Les attaques sont buggées. Enfin, tant mieux pour moi, parce que comme ça, je suis pas mort. Non, prélèvement du destin, c'est si ton Pokémon est mort, lanceur tombe KO. Enfin, le Pokémon tombe KO. Et là, c'est pas du tout le cas. Bizarre. Donc là, on a fait quelques petits dresseurs. Bon, vite fait. Donc là, il me faut 50 Pokémon. On va se soigner. Il me faut surf absolument. Enfin, il me faut un Pokémon qui a surf absolument, sinon je vais vraiment galérer. Voyons voir ça. Un pifeuille. Je vais faire un choc mental. Ah, ça n'affecte pas. Je me rappelle plus. Je vais faire du d'acier. Quoi, ça ne marche pas non plus ça. Oh, il a mis beaucoup trop son attaque spéciale. Ouais, s'il nous fait un lance-soleil, une attaque super forte, il peut nous faire de sacrés dégâts, mais il est mort. Ariyama. Choc mental. Ah, bien fait, t'es confus. Ça fait que dalle. Et comme ça, je te tue. Voilà. Ah, il a gagné un IV. Paf, dans les dents. Bonjour. C'est fleur de tout son du tout de beauté. Alors là, on a le skin de Jimmy dans Owen. Et là, on voit que c'est un top dresseur. On va faire un gris d'acier. Ah, bah ça rate. Pour moi, j'ai pas de chance, hein.
Choc mental. Oh, ah là là, c'est dur. Bon, ça c'est déjà fait. 542. Lupio, on va prendre choc mental. Ah, et ça, ça fait mal. Ah non, ça va. Ouh, GG chrono. Niveau 34. Quelle gifle. Mais non. Bref. Un abra, on l'a déjà. Là, il y a pêcheur, chaîne pote. Et toi, je te demande un combat. Pêcheur. Oula, poisson roi. Faire attention. Encore là, ça va. Désolé. Squiffy, je crois que c'est pas bon. Ah ouais, ça il est similaire, ça. Normalement, but, ça n'existe pas. Voilà, ça c'est fait. Je crois qu'il y avait un objet ou quoi que ce soit. Eh ben non. Ça ne sert à rien. Ratata, on l'a pas, on va essayer de le capturer. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Ça c'est fait. Bah, on l'a déjà capturé, hein. Aussi, quoi qu'on l'a aussi. Allez, ça c'est fait. Les insectes, c'est ma grande passion. C'est cool. Moi, c'est jeu vidéo. Donc là, il n'y a rien. Les mégales, on a aussi. Qu'est-ce qu'il y aurait ici? Une Pokéball et un Zinc. Ok. J'ai pas de chance. Donc là, c'est un chaîne pote et un simulard à côté. Que dire vieux de me défier? Je ne sais pas, j'ai pas envie. Là, tu joues. Vas-y, chrono. Chrono qui est puissant. Énergie. Mental. Ah cool. Ouais. Jolie flore. Oh ça va, on a de la chance. On va faire griffe d'acier. Et après, on va le faire un... Non, on va refaire une griffe d'acier. Hein. Alors. Merci. Alors, tu m'as regardé de travers, combat. Ah, la musique change. Mais trop énorme. Niveau 5, d'accord, hein, pourquoi pas. Mais c'est quoi ce noob? Ah, énorme. Ça sert à rien, mais... C'était marrant. Tu as de la chance, voilà 20 Poké de l'art. Laisse-moi tranquille. Un petit combat? Ouais, pourquoi pas. Un frappi. Vas-y, chrono. Exercice.
Medjana, ça c'est fait. One shot 133. Osley, pareil, on va faire. Peut-être pas un one shot, mais. On va voir. Ah, pas du tout, même. Oh, ça fait super mal. Hein. On l'aura peut-être. Ouh là là là. Ça fait mal. Quoi. Belle victoire. Moi, ouais, bof. Je vais me faire tuer. Là, il y a un snowball. Ah! Je l'ai déjà. Tu vois un secret? Débloquant en 3 évolutions. Il deviendra un Tainan avec une pierre aube, Kikli avec une pierre nuit, et un Capoeira avec une pierre éclat. Et normalement, dans les versions officielles de Pokémon, c'est vraiment absolument pas ça. Normalement, c'est en fonction du nombre d'attaques, du nombre de défenses et du nombre de vitesses. Et normalement, ça n'évolue pas avec des pierres. Donc là, nous voilà à Roselia. Et on va se soigner surtout. On a quand même 10 000 Poké-Dollars, c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Allez, go! Hop, hop, hop! Alors, je sais pas, ils ont quoi comme niveau? Niveau 28. Non, ça va. Souplesse, ça ne fait que dalle. Chaque mental. Ça fait rien aussi. C'est pas terrible. Hein. Orphée. Pour l'instant, ça va. Cornet va. On va faire une morsure. Ah non, c'est pas ça qu'il fallait faire. C'est pas. C'est quand même puissant, hein, Cornet va. Oh là là, le coup critique fait très mal. Au prochain tour, j'espère que je l'explose. On tente. Eh ben non. Et on perd tout l'XP. Oh là là. Ce que j'aime pas. Perdre l'XP. Ah, ça l'effecte pas. Ah, on a perdu beaucoup d'XP. Hein. Bien joué. Ouais. On s'en fout. J'ai perdu tout l'XP. Ça me sert à rien. Bon. On va visiter un peu les environnements. Les maisons, je veux dire. Fermées. Ok. Les Pokémon sont toujours là, on trouve pas de Pokémon cheval de feu. Donc là on a une quête, il faut un. Soit c'est un Ponyta, soit un Galoppa. Cette ville était pleine de Pokémon légendaires avant, mais depuis ils sont tous partis. Je viens de gagner avec Pokémon, oui, sur ma Game Boy. Et non, ah putain, c'est tout fermé. Oh là là, là y'a rien. Là il y a quoi? En sécurité, cette tour est fermée. Ouais, en fait ils ont pas tout fait encore sur Johto. Ils ont pas encore tout programmé. Alors si vous voulez savoir, donc je vais m'arrêter là. Mais je vais m'arrêter là. Mais avant je vais sauvegarder. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à ce à partir de ce niveau-là, à Johto, les arènes sont vraiment très corsées. Donc, je vais vous faire voir ça devant vos yeux. Mais c'est grave cheaté. Alors, on va prendre. Je sais que je vais me faire tuer, mais bon, c'est pas très grave. On va prendre Rosephir, c'est la plus forte. On va sauvegarder surtout. Juste pour vous montrer le niveau des Pokémon. Donc cet épisode n'a pas été très long, pas très palpitant, mais oui, les prochains seront beaucoup mieux. Hein. Allez, je suis Mortimer. Regardez-moi le niveau des Pokémon, c'est énorme. Salut Mortimer. Oh, un Fantomimus niveau 85. Eh oui, quand je vous dis que c'est grave cheaté. Ouais.
Ballon, c'est mort pour moi. Stop. Eh ben non, je suis mort comme une merde. Dorina, pour sûr. Vous avez vu comment c'est grave dur. Ça va être très très dur. Les prochains épisodes, surtout il faudrait que j'XP un maximum dans Pokémon Gem, sinon je vais me faire démonter. Vous avez vu? C'est quand même très dur. Peut-être. Ah, c'est archi dur. C'est pour ça que dans les prochains épisodes. Donc il y aura 2-3 épisodes hors sujet. Donc ça sera les captures des Pokémon. Donc 120 Pokémon au total. Et ainsi que. Ah, peut-être je vais résister. Même pas. Donc capturer 120 Pokémon et après on se fera le scénario principal, donc il y aura beaucoup plus d'action, beaucoup plus de kiff. Donc les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou un bon appétit. Salut tout le monde!